Yo tout le monde, c'est Blizzard19, et oui, ça fait 2 mois que je n'étais pas présent sur la chaîne, parce que j'avais eu un bug de manette, donc je ne pouvais plus jouer, je ne pouvais plus faire de vidéos, mais là je suis de retour. Bon, je vais pas faire beaucoup de vidéos de FIFA 17, hein, là il reste 3 semaines, un peu moins de 3 semaines pour avoir le nouveau FIFA. Donc là j'avais fait ma dernière fuite champion ce week-end dernier, et j'ai fini hors 3, on va ouvrir tout de suite ça. Donc dans cette vidéo il y aura le fut champion et les deux gros matchs. Donc oui, j'ai pas joué du tout comme vous voyez le mois, donc j'ai fait juste le dernier fut champion qu'il y avait. Donc voilà, j'ai 30 000 crédits. Hop, et donc on va commencer les défis création des équipes, les gros matchs. Donc on est parti pour les défis gros match. Alors le premier c'est Everton Tottenham. Alors il fallait un joueur de Tottenham et d'Everton, 2 joueurs rares minimum. L'équipe doit être en or et 85 de collectif minimum. Donc j'ai essayé de prendre les joueurs au prix mini à chaque poste. Et après directement Tottenham et Everton j'ai pris dès la sortie de SBC. Comme les autres défis, chaque défi j'ai essayé d'avoir les joueurs le plus rapidement possible, comme Valence Atletico c'est pareil, j'ai essayé d'avoir un joueur de Valence et un joueur d'Atletico rapidement. Donc là pareil, il fallait un joueur d'Atletico, un joueur de Valence, que des joueurs or, 85 de collectif et voilà, 11 joueurs dans l'équipe, hop, on valide, en plus c'est que des packs or rares. Lazio, Milan, là pareil. Un joueur de la Lazio, un joueur du Milan, que des joueurs or, 85 de collectif minimum. Donc ouais, j'ai pas acheté trop cher, donc ça va. Et le dernier, c'est Schalke Stuttgart. Là, fallait un joueur de Schalke ou de Stuttgart, une note de 75 minimum, et un collectif de 85. Donc je suis parti sur une Bundesliga, et j'ai juste acheté le joueur de Schalke. Et le collectif... t'es dedans, donc ça à chaque poste, donc ça va, hop, et voilà le dernier défi fait. Et on a un joueur plus 84 pardon, de l'équipe de la semaine, peu importe la semaine qu'il y a, ça peut être n'importe quel joueur de l'équipe de la semaine à plus de 84. Alors on va commencer par les petits packs rares, hop. Alors pas d'animation, pas de grosse étoile, bon, enfin de FIFA on s'en fout un peu. Julio César 81. Hop, deuxième pack or rare, pas d'animation, pas de grosse étoile, et on tape Eder, d'accord, c'est nul. Oh, génial! Ah, je tombe draft, putain! Ah, ça fait... putain, j'en ai jamais eu, je crois, dans ce FIFA-là, des jetons draft. Oh, ça fait plaisir. Toujours ça à prendre. Hop, le troisième pack or rare. Pas d'animation, pas de grosse étoile. Et on a Rami. D'accord. Oh, ça va aller. Là, c'est... oh, 3,82, d'accord. Là, ça va. C'est entre 80 et 82. Les packs, donc ça va. Le dernier pack or rare. Pas d'animation. Pas de grosse étoile. Ah, un joueur de Valence. Ah, lui, il va se jouer. Lui, il va se vendre. Ça va être bien. Et j'avais vu De Vrij aussi. Joueur de la Lazio, il va se vendre aussi. Alors, là, bon, on va prendre celui-là, pas plus de champion, parce que c'est de la merde. 3 joueurs, bronze, ça va être génial. On a qui? Alors, oh là. Ah, il a des stats intéressantes pour un bronze, hein. 86 de vitesse, 78 de physique. Bon, après, c'est vraiment de la merde. Oui, je m'en servais pour faire de l'achat aux ventes. Après, c'est alors de la MLS, 4ème et 3ème division anglaise. Oh, c'est vraiment de la merde, vraiment de la merde. Mais bon, on garde quand même, hein, c'est... alors là, on va prendre les gros packs, top pack joueur rare, pas d'animation, plutôt 2 grosses étoiles, et on tape... oh, la casette! Ah ouais, c'est bien ça, la casette! Et l'autre, c'est quoi? Varane, ah, c'est bien, la casette et Varane, et encore un joueur de Valence, ça c'est bien. En plus, il vaut cher la casette, oh, c'est bien ça. Ah, un beau petit pack. Ensuite, le premier pack méga...
pas d'animation. Oh, pas de grosse étoile, dommage. Et on a Ederson. Non, voilà, Nana. Anderson, pardon. Nana, ok. Et on n'a pas de joueur qui peut. De gros joueur qui peut se vendre. Allez, l'avant-dernier pack. Le pack méga, s'il vous plaît. Pas d'animation, dommage. Un boost. Non, pas de grosse étoile non plus. Et on tape j'allais dire Godzilla, mais non. Castro. Ouais, c'est vraiment un pack pourri. Hop, on jette. Allez, le dernier pack, ça serait bien d'avoir une animation. Un joueur à 84, allez. Dernière fois, peut-être qu'il y a des SBC. Donc ça serait bien d'avoir une grosse carte. Pas d'animation, dommage. Et on tape... Skartle, non. Oh. Et 84 en plus, il va pas nous donner... Je crois qu'il avait une carte boost à 86, lui, mais non. Donne le 84, évidemment, c'est pas vendable. Et en plus, il a des stats de merde en vitesse. En physique, ça passe. Bon, moi, c'est pas grave. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Allez, salut tout le monde, c'était Blizzard19. Ciao, ciao.